la fille du régiment. C'est extrait de Donizetti, ça. C'est une des plus grandes voix du monde, les plus grandes sopranos du monde. On la voit sur scène. C'était au Royal Opera House de Londres, mise en scène de Laurent Pelly. Et ensuite, on va la retrouver sur ce plateau. Merci, les enfants. Merci, Patrick. Merci. Nathalie Dessay. Extrait de La fille du régiment de Donizetti. Tout le monde applaudit Nathalie Dessay, invitée de Gérard. Alors, je l'ai dit en lançant cet extrait, c'est que Gérard voulait que vous soyez là, parce que je crois savoir que le métier du théâtre vous a toujours passionné. D'ailleurs, je remarque que pour La fille du régiment, vous avez eu le prix Laurence Olivier. Oui, ça c'est la plus grande récompense théâtrale. Six victoires de la musique en Angleterre. Mais le prix Laurence Olivier. Ouais, ouais. Ça, c'est, alors, c'est tu voulais que Nathalie soit là parce qu'elle rêve d'être comédienne et toi, tu es en train de le devenir. Mais surtout parce qu'il faut, et Michel, merci aussi de la recevoir dans ton émission, c'est public, populaire, de qualité, dans une émission comme celle de Michel, de vous avoir, Nathalie, et de faire ces performances, le mot anglais de performance d'ailleurs, hein, qui veut dire spectacle, et en même temps, c'est une performance. On vient de l'entendre là, quelle beauté. D'ailleurs, mais quelle... Tout ça sans micro. Et sans micro. D'ailleurs, dans La fille du régiment, là, on voit, vous êtes un peu comédienne aussi, là. Ah ben là, on n'a pas vu beaucoup, mais je peux vous dire que je me suis dépensée énormément dans cette production, qui est d'ailleurs géniale. Et on doit rendre à César ce qui est à César. C'est Laurent Pelly qui a mis en scène et qui en a fait c'est un garçon formidable qui a été metteur en scène aussi à la Comédie Française. Ouais. Alors, vous êtes lyonnaise, je suis le conservatoire de Bordeaux, une des plus grandes sopranos du monde. Mais dès le début, vous pensiez être un jour comédienne. C'est étonnant, oui, ça. Oui, je pensais à la scène, en tout cas. Moi, ce qui me fascine, en fait, chez les acteurs, c'est cette façon qu'ils ont de s'oublier eux-mêmes pour être dans un texte, dans une émotion qui n'est au départ absolument pas la leur et qui devient soudain, à travers eux, universelle. Ça veut dire qu'il n'est pas impossible un jour qu'on apprenne que vous arrêtez d'être ce que vous êtes aujourd'hui pour vous lancer dans la comédie ? Oui, oui, oui. C'est un projet sérieux. Oui, oui. Michel, ce qui est formidable avec Nathalie, je trouve, c'est qu'il y a à la fois la technique au plus haut, qui a à la fois le talent, et puis il y a le petit grain de folie.
que n'ont pas forcément tous les artistes lyriques. Vous l'avez. Oui, enfin, il faut être un peu dingue quand même pour chanter l'opéra. C'est un stress. Quand même, oui, c'est un stress très grand. On est à la merci du moindre truc qui ne va pas, la moindre contrariété, la tristesse. Si on est triste, par exemple, tout se met là. Vous savez bien, quand vous êtes angoissé, vous avez la gorge serrée. Du coup, pour chanter, c'est l'horreur. Enfin bon, comme je dis toujours, il faut être très heureux pour pouvoir bien chanter. On a vu l'extrait tout à l'heure de La fille du régiment, là. Vous vous critiquez en la réécoutant, vous vous dites là c'était bien. Là, oui, c'est-à-dire que je suis contente de toujours faire des progrès et de toujours chercher à faire des progrès. Donc je suis contente que lors des dernières représentations à l'Opéra Bastille, ça a été mieux que sur le DVD, qui est déjà le voilà, formidable, le DVD. Naturellement. J'en profite pour dire que vous allez être bientôt dans votre bonne ville de Lyon, où vous êtes né, avec Michel Legrand. Non, alors oui, voilà, on a un concert tous les deux avec Michel. À Lyon. Et puis ensuite, vous partez pour New York pour interpréter Cléopâtre de Handel. Oui, avant ça, il y aura Barcelone pour Antonia dans les contes d'Hoffmann, New York et puis San Francisco et puis. Alors, c'est Noël bientôt, donc voilà. Gérard, un cadeau. Ben, voilà. C'est vrai. J'ai lu dans une interview que vous aimiez recevoir des DVD, et en particulier des DVD culturels. La Comédie Française fait un ensemble de DVD avec tous leurs grands répertoires. Je voulais ça tout pour le Noël. Répertoire. C'est ça que je voulais commander au Père Noël. Non, voilà. Voici le gros coffret pour Noël. C'est une bonne transition parce que Gérard, depuis quelques années, réalise une prouesse incroyable. Il continue à faire son métier de journaliste, et avec quel talent. Et être sur scène, même pendant le Tour de France, elle est sur scène. Explique-moi comment est né, parce que moi je te connais depuis des années, jamais j'aurais imaginé lorsqu'on faisait nos 400 coups ensemble à vélo ou ailleurs, que tu voulais un jour jouer Scapin, jouer le mal imaginaire, jouer Fédo. Un coup de foudre que j'ai eu à la Comédie Française lorsque j'avais 17 ans, je suis allé voir le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mis en scène par Jacques Fabry. J'étais au 6e étage, d'ailleurs au poulailler, et je me suis dit, ça va être le truc de ma vie. Et puis, j'ai voulu jouer, donc depuis 4 ans, je suis dans la Compagnie de la Reine à Versailles, oui, avec Jean-Daniel Laval, grande grâce à Jean-Luc Grandry. Grande compagnie. Et je joue des classiques, voilà. C'est-à-dire que je boucle la boucle de mon rêve d'adolescent. Il ne faut jamais renoncer à ses rêves d'enfant. Non. Jamais. On va regarder donc Gérard au théâtre. Allez, de Molière à Fédo. Regardez, je vous demande d'applaudir Nathalie Dessay. Merci. Merci d'être venu. Michel Duchossois, comment vous pouvez imaginer Gérard Holtz sur une scène de théâtre? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le sentez bien? Bon, de toute façon, je le sens complètement homme de spectacle. Moi, je l'ai déjà vu jouer de la musique, chanter, faire ses émissions, bien sûr. Donc,